Allez, re les petits amis, on se retrouve pour le troisième épisode de Prince of Persia, l'aventure Prince of Persia 3D. Alors j'espère que cette aventure vous plaît, moi en tout cas je prends énormément de plaisir à la faire pour vous et pour moi aussi, hein, parce que oui, il faut être un petit peu égoïste et aimer les bonnes choses. Alors ici on est dans un espèce d'endroit assez lugubre, et vous allez voir qu'on va croiser de nouveaux ennemis, des hommes poissons. Hop là. Et ça va être juste en bas. Admirez les effets d'eau au passage. Oh non, je suis un petit peu méchant, je me moque un petit peu, mais voilà, c'était vachement sympa à l'époque. C'était vraiment très très beau. Regardez-moi ça, ce tunnel. C'était quelque chose, vraiment, hein. Alors ici, vous allez voir que il va y avoir de nouvelles créatures bizarres. Ici, je vais récupérer des flèches. Pardon. Et y a autre chose aussi, je crois, non? Alors, là, c'est plus profond. Y a rien ici? Sérieux? C'était pour des flèches? Je crois qu'il y avait une potion ou quelque chose comme ça. Bon, c'est pas grave, allez, bon. Allez, hop! Allez! Oh là là! Voilà. Et là, la créature va apparaître. Enfin, je crois. Mes souvenirs sont bons. Avec un bug. Avec un bug génialissime. Allez, dégaine ton épée, mon vieux. Hop là. Allez. Pas difficile à battre. Il suffit juste de l'attendre. Comme ça. Hop là. Et voilà. Pas très compliqué, mais voilà. La première fois qu'on voit ça, on a une petite frayeur en fait. On se dit merde, on va mourir. Ben non, c'est un ennemi vraiment très très facile à battre. Bien. Allez, on va grimper dans ce puits. Prends ton temps, hein. Surtout, prends ton temps. Comment on fait par contre pour... Hop là, voilà, c'était ça. J'avais peur de tomber. Bien. Alors, comment ça s'appelle ce niveau déjà? Alors, ça s'appelle la citerne, voilà. C'est un niveau, on va dire, plutôt difficile, mais si vous vous concentrez bien, eh bien, vous n'aurez pas de problème. Alors, il y a une espèce d'archer qui va nous tirer des flèches. Voilà. On va essayer de l'atteindre, mais c'est pas évident. Je vais sélectionner mes petites flèches. Ah, on a récupéré. Ah, d'accord, c'était des flèches empoisonnées qu'on a récupérées en bas du puits. D'accord, c'était ça. Bon, bah écoutez, là, on va essayer de partir vers la gauche. Comment on fait? Comme ça? Comme ça? Ça? Ah, comme ça, voilà, c'était ça. Et on va essayer de le viser vite, 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 vite. Et un. Mais est-ce qu'on l'atteint comme ça? Oui, c'est bon. C'était ça. Bien. Et il fallait se planquer derrière les caisses, en fait, pour ne pas que ces flèches nous atteignent. C'était ça. Bien. On va sauvegarder. Ok. Bon. Là, par contre, il faut faire attention parce que là, il y a pas mal de phases de plateforme et c'est pas évident avec ce genre de gameplay. Croyez-moi. Ici. Bon, là. Ouh, c'est bon. Faut-il que je descende en fait? Alors, il faut pas descendre dans l'eau, hein, parce que sinon il y a des créatures qui vont essayer de vous manger le cucu.
Et ça, c'est pas très pratique si on veut libérer la princesse. Bah alors? Sérieux? Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, attendez. Faut la pousser, la caisse? Non, c'était pas ça. Mais what? Bah là, les gars. Mais vas-y, vas-y, accroche-toi, c'est pas possible. Bon, ne nous énervons pas. Oh là 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 là. Eh oui, c'était ça en fait. C'était ça en fait l'inconvénient de ce jeu. C'est un gameplay assez bizarre, on va dire. Bon, faut-il que je saute? Non, c'est pas ça. C'est rebouffé si je me manie pas. Bon, là, il faut m'expliquer, là, les gars. Hein. Là, vraiment, faut m'expliquer parce que je comprends rien du tout. Quoi, il faut que je fasse ça? Non? Mais attendez, mais c'est une blague! C'est une blague! Bon. Là, je m'attendais à tout sauf ça, hein, vraiment. Il s'accroche pas comme ça, d'accord. Essayons de garder notre calme, hein. Essayons d'être de bonne humeur. Faut vraiment que je comprenne là. Alors là, je comprends rien. Non mais sans déconner là, les gars. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais pourquoi il ça? Mais c'est pas... c'est une blague en fait, c'est ça? C'est une blague. Ou alors il faut que je descende sur. Ah, il faut que je descende peut-être. Dans l'eau? Ah non, on va se faire bouffer, c'est pas logique là. Attendez, mais là, franchement, là, je comprends pas, là. Je comprends absolument pas où est-ce qu'ils veulent en venir. Est-ce qu'on pousse la caisse ou pas? Mais quoi? Est-ce qu'on la pousse, la caisse? Non, non. Mais sans déconner, les gars. Sérieusement. Bon, peut-être que je dois me placer ici, à l'extrémité, je sais pas. Ah bah la bonne blague. Bon, écoutez, je vais faire une pause sur la vidéo et je vais voir ce qui se passe là parce que c'est pas normal, on va pas rester bloqué non plus ici pendant. Ok, bon, j'ai trouvé la solution, les gars. Pff. Il fallait en fait remonter. J'ai aperçu cette corde et en fait il faut sauter comme ça. Oh là 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 là. Mais vous voyez là c'est le truc de dingue. C'est que si c'était une plateforme normale, bah c'est une plateforme normale déjà. Bah il aurait sauté normalement, il se serait raccroché dessus. Mais là il fallait juste sauter sur la corde en fait pour l'atteindre. Et ça c'est plutôt con. C'est très con comme. Comme principe. Et c'est énervant aussi, c'est vraiment très énervant, c'est incroyable. Bon, c'est pas grave, l'important c'est qu'on a trouvé la solution. Et voilà, encore une plateforme de merde. Vous savez quoi? Je vais sauvegarder. J'ai pas envie non plus de retomber. Alors ça, il faut. Ben voilà, je fais le con.
Alors, saute et raccroche-toi. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est des espèces de trucs qui enlèvent le plaisir de jeu. Et malheureusement, il y a des gens. Je les comprends, hein, s'ils n'ont pas aimé cet épisode, je les comprends. Et que voulez-vous, je suis un incorrigible et j'adore ce jeu. Alors, ici, on a un espèce de mécanisme d'ascenseur. Ça, c'est quoi ça? C'est un nouveau type de potion. Je crois que ça régénère en fait toute notre vie. Je pense. Alors, l'ascenseur, on va le prendre. Et si mes souvenirs sont bons, ici, il y a un passage vraiment très très chaud. Ah non, c'est pas ici. C'est pas ici. Juste que je saute sur le bateau. Faire gaffe de ne pas rater notre saut. Et hop. Voilà. Et on va prendre la rame. On va ramer. Voilà. Donc là, on va en fait explorer toute la citerne. Ah, il y a un garde. Qu'est-ce que c'est que cet angle de merde? Il y a un ninja qui déboule de nulle part. Regardez les points de vie qu'il a, mais c'est pas possible. Ouf. Oula, j'ai eu de la chance là. Je crois que j'ai eu de la chance. Ouh, je lui ai coupé la tête. Je lui ai coupé la tête. Est-ce qu'il va y avoir un autre garde? La vache. C'était quand même chaud, hein. Putain, il avait 6 ou 7 points de vie. Et le garde a disparu, bien évidemment. Oh la vache, c'était vraiment chaud, hein. Ah, il faut peut-être que je quitte le bateau pour sauvegarder, je sais pas. Ici. Ah, le voici le passage chaud dont je vous parlais tout à l'heure. Hop là. Donc ici, une phase de plateforme assez délicate, on va dire. Voilà, accroche-toi, petit bonhomme. Très important, faut pas oublier de sauvegarder. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, là, par exemple, ça, c'est un système que je comprends pas. Des fois, on peut sauvegarder, des fois, on peut pas sauvegarder. À un moment, les gars, qu'on se mette d'accord, hein. Ah, voilà. Boire ou conduire, faut choisir. Alors, ici. Alors, je pense que cette caisse, je dois la faire tomber. Tomber. Ici, est-ce qu'on peut s'accrocher? Si c'est un, c'est en fait une sorte d'énigme. Oui, on peut s'accrocher ici. Ok, alors par contre, je me rappelle plus du rôle en fait à jouer pour cette caisse. Faut-il la pousser dans l'eau? Ou alors s'en servir en fait pour prendre de l'élan. Non, 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 il faut la pousser dans l'eau, je crois. Je crois. Ah putain, j'ai peur de faire une bêtise en fait. Bon, on va la pousser, de toute façon on va sauvegarder. Mais qu'est-ce que je fais encore? Ah, on peut pas la pousser, d'accord. Au moins on est fixé. Qu'est-ce que je dois faire alors? Là, je comprends pas.
Vraiment, là, je comprends pas du tout. Ah, alors, on va essayer de faire ce passage. Est-ce qu'on peut grimper? Non. Et il le dit en plus. C'est beau quand même, hein. Bon, c'est vrai que c'est un JPEG, hein. L'autre côté. Quoi? C'est tout? Ah bah merde. Voilà, ça se voit que c'est un JPEG, hein, mais c'était beau quand même, hein. Bon, ça a servi à rien tout ça. Allez, lâche. Lâche tout. Bon, bah la caisse, ça sert à quoi en fait au final? Mais non, ne grimpe pas. Oh là là. Peut-être que on va s'en servir. Alors, observons. Tiens. Moi, j'ai eu une bonne idée là. Observons et voyons voir ce qu'il faut faire. Ah, je crois qu'il faut s'en servir pour aller en haut. Là, c'est clair, je crois qu'il faut faire ça. Non, c'est pas ça. Ouais, je crois que c'est ça, je crois que c'est ça. Enfin, j'espère. Je sais plus là. Attendez, 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 attendez. Enfin, je commence à comprendre. Je commence à comprendre le boulon. Alors, je crois qu'il faut sauter en fait sur cette caisse. Si, non? Ou alors sauter sur. Sur cette plateforme. Ouais, c'est quelque chose comme ça en fait. Un truc pareil en fait. Sauter sur ça en fait. On va voir, allez, on va voir. Bon, on va essayer en tout cas. Allez, saute. C'était pas ça. D'accord. Ok, c'est pas grave. On recommence d'ici. Ou alors, je dois la placer ici pour sauter de l'autre côté. Bah non. Bah non, ça va servir à rien de toute façon si je fais ça. Toute cette mécanique ne servirait à rien. Si on pense logique, en fait. D'accord, j'ai compris. J'ai compris ce que je dois faire. C'est bon. Il y a en fait une espèce de chaîne ici. En fait, il faut se raccrocher dessus. Ah oui. C'est ça. Alors, il faut que j'aille, voilà, directement ici. Et là. Je lâche? Non? C'était pas ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est. Oh putain, je me rappelle plus. C'était pas ça en fait? Je peux pas me raccrocher? Ah d'accord, mais oui, mais quel con. Attendez. Faut sauter en fait à partir de cette caisse sur la chaîne, mais oui. Allez, 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 vite, 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 s'il te plaît. Oh là là, les animations qui prennent des plombes. Voilà.
D'accord, bon. Faut que je fasse ça. Je recule. Non, tu peux pas reculer. Mais t'es sérieux? Alors, vous... Ah, mais on saute directement, mais quel con! Oh. Ah bah merde alors. Bon, allez, c'est pas grave, allez. Tac. Faire ça. Hop là. Mais oui, c'était ça. Oh là 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 là, j'ai perdu des minutes précieuses pour une connerie de ce genre. Là par contre, comment on fait pour... Hein? Faut m'expliquer là. Hop là. Ah d'accord. Ok. Et là, on va se servir de cette caisse. Pour grimper là-haut. Mais oui, c'était ça. Bon, bah c'est pas grave, hein. De toute façon, ça vous montre un exemple quand même. De petit casse-tête présent dans Prince of Persia 3D. Par contre, est-ce que vous aurez le courage d'y jouer? Ça, c'est une autre question. Surtout les jeunes d'aujourd'hui. Qui sont habitués à des jeux de plateforme du type Crash Bandicoot. Ou encore Super Mario. Qu'est-ce que je dois faire là? Putain. Qu'est-ce que je dois faire? Par pitié. Ah, le mécanisme. J'ai oublié de... Oh là là. J'ai oublié d'activer le mécanisme. Qui était juste là. Oui, on a pas eu du mal avec le deuxième... Oh non, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là là. Est-ce que ça marche? Non. J'ai voulu faire mon fainéant. Ça marche pas. Allez, pousse. T'as qu'à bien jouer. Donc on a enclenché en fait un espèce de mécanisme. Il faut sauter au moment précis en fait où la caisse se passe. Et ça, autant vous dire tout de suite. Ah bah c'est pas évident. Allez, sauvegarder. Hop là, hop là. En plus c'est rien, on arrive à la fin du niveau. Elle est juste là. Vous voyez? C'est cette grande porte en fait. Devant laquelle nous attend un gros méchant. Allez, tombe. Ouf! Bravo. Bravo. Allez, ouf. C'est vraiment chaud, hein. C'était vraiment chaud. Mais on y arrivait quand même. Pas du premier coup, mais on y arrivait quand même. Hein. Mais j'aimerais comprendre en fait l'utilité de l'autre caisse qui était de l'autre côté. En fait, c'était juste pour nous faire perdre du temps, hein, c'est tout. Alors ici un piège, ça se voit. Voilà. Et si on va de l'autre côté, on peut tomber. Voilà. Ah bah parfait. Et bah nickel. Ah, c'était laborieux, mais on y arrivait quand même. Voilà, bon, bah écoutez les gars, ici il y a un gros. Et dans mes souvenirs, il était assez difficile à battre. Mais si j'exploite les bugs, si j'exploite les points faibles du jeu, je pense que je pourrais le battre sans avoir de difficulté. Alors, vous voyez là, je pourrais l'avoir directement. Je crois qu'il a en fait un... Comment on dit? Voilà. Là, si j'exploite ce bug, par exemple, je pourrais l'atteindre. Voyez les bugs avec dans les escaliers là? Oh putain.
Bon, j'exploite le bug, mais ça s'est retourné contre moi malheureusement. Oh merde. Deux fioles de points de vie. Bon, est-ce qu'on continue comme ça? De toute façon, on n'a pas le choix. De toute façon, on n'a pas le choix, c'est pas grave. On récupérera d'autres fioles un petit peu plus tard. Que la lumière soit. Et voilà. Bon, écoutez, on est arrivé à la fin du niveau. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à commenter, à faire un pouce bleu. Ouh la vache, il y a un garde qui arrive là. À laisser donc un commentaire, à partager. Je suis perturbé là. Allez, on va la voir comme ça? Non? On arrive au quatrième niveau. Ah bah voilà. Un bug. Il tombe bien ce bug. Et on récupère cette potion jaune. Ça fait quoi? Bon, c'est assez bizarre. C'est assez bizarre. Bon, je vais sauvegarder les gars. Et on arrive au palace. Ah! Et voilà. Donc moi je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Allez, salut!